qui ne se prononce pas qu'amen pour les gens pensent, mais tout simplement, on a le che, on a le mot man, comme dans Aman, Amon, et ça fait le mot shaman, shaman, shmoun, kamania, par exemple en arabe, le S devient T, qui signifie tout simplement 8. Vous voyez, il y a 8 là-dedans. Mais on ne sait pas comment les anciens Égyptiens prononçaient le chiffre 8, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'à l'époque des Ptolémées, vu que les Grecs étaient dans une politique d'hélénisme, c'est-à-dire de mélange des peuples, où les Grecs allaient dominer les autres peuples, à ce moment-là, il y avait beaucoup de Juifs à Alexandrie, comme par exemple on parle de Philon d'Alexandrie. À ce moment-là, on a simplement baptisé le chiffre 8 d'un nom sémitique, Shmania, Emania, Shmoun, tout simplement. Mais maintenant, la recherche consiste à retrouver le véritable nom du chiffre 8 en égyptien ancien, et c'est ce que nous allons faire la prochaine fois. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Nouvelle Afrique.